Hey hop tout le monde, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'une application, d'un logiciel que j'ai découvert grâce à un de mes amis français. Ce logiciel s'appelle Discord, je pense. Si le nom est correct, oui, c'est Discord. Qu'est-ce que c'est que ce logiciel? Ce logiciel est en fait un réseau comme Skype. En fait, ça combine Skype, TeamSpeak, Mumble, enfin tous ces réseaux là. L'avantage de ceci, c'est que vous pouvez faire des serveurs gratuitement. Donc d'ailleurs, j'ai créé le serveur Landoff HBPC, donc Hardwild PC plus Game, pour mes abonnés et un petit peu pour tout le monde. Qu'est-ce que ce serveur? Donc oui, ce serveur est exclusivement pour mes abonnés et pour moi-même. En fait, dans ce serveur, si vous pouvez, il y a trois salons textuels. Qu'est-ce que c'est que les salons textuels? C'est les salons où vous pouvez faire que parler. Donc j'écris le high chat troll, où vous pouvez troller, tout est permis. Le discussion ici, vous pouvez demander votre avis sur vos configs, demander des avis sur vos configs et des astuces hardware, exclusivement hardware s'il vous plaît, pas d'insultes, pas d'orage, et vous pouvez faire des débats si vous avez envie. Ici la case jugement, mais vous n'y aurez pas accès car ce n'est que les administrateurs et les modérateurs et les fondateurs qui pourront y accéder, c'est-à-dire moi-même et quelques administrateurs. Dans les salons vocaux, donc, vous pourrez parler. Ici, vous avez le débat hardware. Le débat hardware, qu'est-ce que c'est? C'est juste que vous allez pouvoir parler de tout ce qui touche le hardware, en l'occurrence, et parler avec vos micros, et au lieu de taper tout le temps. Ici, nous avons le salon 1, salon 2, salon 3. Ici, vous pouvez vous rejoindre entre amis ou quoi. Je ferai beaucoup plus de salons plus tard. Vous avez le salon CSGO, donc c'est effectivement pour les joueurs de CSGO. Donc je devrais faire encore plusieurs salons CSGO, ainsi que plusieurs salons League of Legends, ainsi que plusieurs salons Minecraft, Smite, Battlefield, Call of Duty. Et nous avons un channel AFK parce que ça, c'est le channel en guillemets universel que tout le monde ira s'il est AFK, ou si le logiciel, l'application remarque que vous êtes AFK depuis 5 minutes. Donc, pour accéder à ces trois channels donc de texte, donc de parlotte, de discussion, vous devrez être au moins inscrit et connecté sur le serveur depuis 10 minutes environ pour éviter les spams, ce qui peut être un peu chiant. D'ailleurs, si nous voyons une seule insulte, une énorme insulte ou quoi, ou que ça part en clash total, en discussion hardware et high chat troll, je serai obligé de sévir. Vous pouvez rigoler entre amis ou entre connaissances ou quoi, mais n'allez pas dans l'excessivement trop loin, s'il vous plaît. Et donc voilà. Donc c'est un TeamSpeak, on va dire 2.0. C'est vraiment une superbe application. Dans la description, vous aurez le lien pour vous connecter sur le serveur. D'ailleurs, je vous recommande de télécharger l'application, de vous créer un compte et tout ça, et puis vous connecter à votre compte. D'ailleurs, vous pouvez faire en sorte de lier votre compte YouTube et votre compte Twitch à cette application, et vous pourrez connecter dans le futur battle.net, Facebook et Twitter dans l'avenir. Donc voilà. Ben voilà. Et donc franchement, c'est une application vraiment, mais vraiment utile, que je trouve vraiment chouette et fun quoi. Car c'est vraiment une super bonne application personnellement. Je l'ai découvert grâce à un pote et je la trouve vraiment tip top. Donc voilà. Donc franchement, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de venir. D'ailleurs, il y aura le lien pour me rejoindre dans la description, ainsi que le lien vers l'application. Et ce qui est bien en fait avec cette application là, c'est que à la fois vous pouvez vous créer un serveur super simplement de TeamSpeak, Mumble, Skype, mais
sachez que ce ne sera pas TeamSpeak, ni Mumble, ni Skype, mais c'est tout comme en fait, et voire plus facile. Et donc ce sera comme ça, et c'est franchement, vous pouvez créer un serveur facilement, paramètres du serveur, invitation, intégration, membres, etc. Donc voilà, widgets si vous voulez des widgets, etc. Bref. Par défaut, vous atterrirez dans le salon or, en théorie, c'est comme ça que c'est prévu. Et donc voilà, donc je vous recommande de télécharger l'application, ainsi de suite, et franchement, voilà, téléchargez l'application, rejoignez-moi, soyez nombreux à venir, c'est une application vraiment, vraiment utile, et que je trouve vraiment chouette, et sans un de mes amis, je ne l'aurais jamais découvert. Ben merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous laisser avec l'outro tout de suite. Et salut si tu regardes cette partie de la vidéo, c'est que la vidéo est terminée. Je te recommande de t'abonner, de partager la vidéo si elle t'a plu, de la liker, de ne pas oublier de la commenter si cela te fait plaisir. À gauche vous verrez un like cap, donc c'est-à-dire une annotation à gauche pour la vidéo précédente et à droite pour la prochaine vidéo, et non, je ne vous spoilerai pas. Allez les gamers et gameuses, peace.